Bienvenue dans l'univers de Théo by Lipton. Le cycle d'initialisation est une étape indispensable avant de préparer votre première tasse. Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau maximum. Placez un récipient d'au moins 25 cl sur le repose-tasse. Appuyez sur le bouton marche. Assurez-vous que le filtre ne contient pas de capsule et positionnez-le jusqu'au bout. Appuyez simultanément sur les deux boutons qui clignotent pendant 5 secondes jusqu'au soulèvement du support. Il se peut que la machine émette quelques bruits. À la fin du cycle, le support s'abaisse. Enlevez le récipient et jetez l'eau de rinçage. Placez une tasse d'au moins 25 cl sur le repose-tasse. Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau maximum. Placez une capsule Théo by Lipton sans l'ouvrir sur l'avant du filtre. Le système intelligent est conçu pour reconnaître les capsules non ouvertes. Insérez le support, le filtre et la capsule dans la machine jusqu'au bout. Par défaut, la machine sélectionne une intensité d'infusion optimale, mais vous avez la possibilité de régler l'intensité selon vos préférences. Sélectionnez la taille de tasse désirée. Cette dernière action déclenche la préparation de votre première tasse. Le support se soulève automatiquement. La capsule est alors reconnue par la machine intelligente. Température de l'eau et durée d'infusion sont alors paramétrées pour le type de thé inséré. Les feuilles sont hydratées au contact de l'eau. Puis, l'eau plus abondante entraîne les feuilles hors de la capsule dans la chambre d'infusion. Sous l'effet d'un brassage régulier, les feuilles sont infusées en mouvement et s'ouvrent parfaitement pour favoriser l'extraction des arômes. Durant l'infusion, une vapeur aromatique chaude se dégage de la bulle. Votre thé s'écoule dans la tasse. À la fin du cycle, de l'eau chaude s'écoule. La machine délivre le juste volume d'eau pour équilibrer l'intensité de l'infusion en tasse. Cela permet également d'enlever les feuilles qui seraient restées dans la chambre d'infusion. Le support s'abaisse. Nous vous recommandons de jeter la capsule après usage pour ne pas que les feuilles fermentent. Votre première tasse Théo by Lipton est prête.